Hey, Bobby. Yeah, I think I can be a Bobby too. Okay, I'm not blonde, but that's okay. Well, this is Bobby. Everyone knows her. Nobody knows me. Well, guys, welcome. I'm bag passionate, French bag collector, fashion lover, and above all, notion addict. Welcome to my channel. Bonjour les francophones, bienvenue sur ma chaîne. Je suis bags passionate. Collectionneuse de sacs, amatrice de mode et red dingue de Longchamp. La vidéo en français, après la vidéo en anglais, regardez le minutage, ça va être marrant. Today I'm with Bobby because who have missed the new film Barbie? It's worldwide and I thought it would be a nice idea to bring you my friend, my Barbie friend. Okay, this cute girl is... I'm a bit older than her, but I got this Barbie when I was a child and oh my god, look guys, she's super cute! And of course Barbie have evolved and have changed and that's also great and I love this one. And so we talked together and we thought it would be nice that as many of my other YouTube friends, I show you today my Barbie items, let's call them like this. Why not showing you my pink item, this collection? Yes, it will be great. So, Barbie, say bye-bye, see you next time. Bisous, bisous. Let's go. Okay, I place her like this, she could enjoy. Let's have a fun moment. Of course, this video is not serious at all, but the item I'm going to show you are real and are of nice quality, so let's enjoy it together. So the very first item I got in what we can call a pink disco Barbie is my bag from the French brand Paul Marius. I have done a review about this bag. The color, guys, the color is insane. Of course, it's not the pale, light pink Barbie used to wear, but I love it. I love it, and when I wear this bag, I've got good vibes, you know, I want to dance, I want to go and have fun time. So I do seriously think this bag is a Barbie bag. My Longchamp pouches, you know, I've got a bunch of them, I collect them, please have a look at my various video about them. And look guys, I've got those three pouches. This is a vintage one, this one are more actual, let's say like this. Those two got the same pink combination and I love this pink. It's a strong pink. This one is a powder pink, but it's a pink. I know compared to this one, it's light, really light, but it's a nice powder pink. I enjoy it a lot and I am pretty sure Barbie will love these pouches and they are fun, they are really fun. It's not Longchamp, but it's a pouch I really enjoy. And a lot of you guys, every time you see it, you tell me, oh, this is so cute. This is my square pouch from Bimba y Lola. It's a vintage version. It's all also in leather, all in leather. And oh my gosh, guys, look at this color. This is a Barbie pink. Seriously, this is a Barbie pink. And I love it. The inside is quite roomy and you also got this tiny pouch. I use it a lot with my Longchamp one. So again, a Barbie pink. I also have nice accessoire and this is a Longchamp Foulonnet mirror and it's in this, it's the same pink, strong pink. I went crazy when they went with this color and it's really gorgeous. And it's super practical. You can place your mirror like this. I like to bring it when I travel. It's really a nice item. I wish Longchamp bring it back, seriously. And of course, a pliage pouch. Look at this neon pink pouch. I love it. This size was perfect. Seriously, I've got it in many colors, but this size, I got also bigger one.
is really adorable. And look at this color, guys. It's a nice, really a nice pink shade too. And not Longchamp, Hermès. I've got this click edge bracelet with this, bois de rose pink. It's a nice, soft, antique pink, let's say that, really nice. And I'm sure Barbie will love it. When, depending on the light, you can see it lilac, but seriously guys, I've got lilac click edge. This one is really bois de rose. It's a pink bracelet. I also got this Be Happy. And on the other side, because Be Happy always have two colors, this one is, rose confetti, I do presume. And this one is rouge de coeur. It's red, rouge de coeur. I really enjoy those items. If you want a review about my Hermès jewelry collection, please write in the comment below. I will do something for you. Concerning bags, my most Barbie pink is this one, my Pliage Club from Longchamp. Look at it. Oh, it's a gorgeous pink and it's so cute, really. I love the bag is super practical. If you do not know the Pliage backpack, please go and try one. They are so lightweight, you can fold them, so practical when you travel. They got a big capacity and they are just great and you can wash them, so really nice. And my God, this color is just Barbie style. I love it, I really love it. And seriously guys, you all know because you saw them in many of my videos, Longchamp comes out with a new pink shade in the Full On range, the candy color. And guys, the one who tell me this is not a Barbie pink too, I don't know what I'm going to say, but look at this. Oh my God, it's such a lovely pink color. I seriously love it. You can also find it in the pouch. They have also made bags and I love it. This shade is really my favorite. I have to say this is my favorite. And just to compare with the other one, look guys, the different shade. This is powder, this is strong pink, this is the pink from Lim by Lola, and this is candy from Longchamp. Please guys, tell me in comment which pink shade is your favorite. This is my fave, candy is my fave, but guys, please tell me your opinion. And that's all. Okay, it was fun to make this video. I know sometimes fashion is not serious, bag world is not serious, but who never dreams with Barbie? Please tell me. So guys, please, if you have any question, write in the comment section. I will be more than happy to answer you. If you love this kind of video, do not forget to subscribe to my channel and give a thumbs up to this video. And stay tuned because, in fact, I've got another item which can fit in this video, but let's say and let's discover this item in my next video. So stay tuned. Have a great day. Take care. Bye bye. And now, if you want to read a little bit of French, which is my mother language, stay tuned. Here is the French version. Et maintenant, la version française. Hein, Barbie, on va parler en français? On va parler en français. Francophones, oui, je pourrais être Barbie. Et oui, Barbie, on est tous Barbie. Surtout en ce moment, si vous avez raté la sortie du film et tout ce qui se passe autour sur Internet, eh bien bravo, vous vivez dans un endroit bien tranquille. C'est ma Barbie. Je suis un peu plus âgée qu'elle, mais celle-ci, elle a du vécu. Mais regardez, elle a toujours la classe. Elle est magnifique. C'est Barbie, quoi. Et on s'est dit, tiens, on va faire une vidéo un peu rigolote où je vais vous montrer, eh bien, dans ma collection, tout ce qui pourrait être Barbie ou barbesque. Je sais pas. Barbesque, non, ça le fait pas trop. On est d'accord. Hein, Barbie? Oui. Hein? On leur montre? Oh oui, on leur montre.
Allez, c'est parti. Voilà, alors j'ai placé Barbie là, comme ça en même temps, elle peut rester avec nous, elle peut nous observer. Le sac, un des sacs qui me donne des idées de Barbie, c'est celui-là, c'est mon Paul Marius. Regardez-moi ça. Alors c'est sûr, c'est pas le rose Barbie qu'on a l'habitude de voir, cette espèce de rose un peu pastel, mais je pense que Barbie Disco aimerait avoir ce sac pour aller en boîte. Et regardez-moi ce sac. Moi, quand je le vois, quand je l'utilise, ben, il me donne la pêche, il me donne envie de sourire. Il est petit, mais il est super pratique. J'ai fait une revue sur ce sac, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je l'adore. Franchement, je l'adore. Et évidemment, des pochettes Longchamp. Alors voilà, il y a plusieurs générations. Ça, c'est une ancienne génération. Ça, ce sont celles qui sont un peu plus actuelles, qu'on retrouve en ce moment. Alors là, vous voyez, alors ces deux-là, c'est la même couleur. C'est un rose bien prononcé. C'est un très joli rose, hein, on ne va pas se mentir. Moi, j'ai plusieurs objets avec ce rose-là parce que je l'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est un rose poudré. Alors, c'est sûr que quand on le met à côté, limite, il fait vraiment pâle, limite beige. Mais je vous assure, c'est un vrai rose poudré qui est très, très joli. Voilà, alors moi, voilà, si vous me posez des questions sur les pochettes Longchamp flonnées, moi, je les recommande absolument. C'est pratique, c'est génial, ça a une capacité de dingue. Enfin, je parle surtout des celles-là. Celles-là, elles ont une bonne capacité, mais voilà, comparé à celles-là. Mais si celles Longchamp pouvaient reproduire celles-ci, je serais la première à en racheter plusieurs. Vraiment, parce qu'elles sont trop bien. Voilà, donc ici, ce sont mes petites roses. Il n'y a pas que Longchamp dans la vie et beaucoup ont vu cette petite pochette dans mes précédentes vidéos. C'est une pochette carrée Bimba et Lola, aussi tout en cuir. Mais regardez-moi cette teinte de rose. Alors là, pour le coup, on est vraiment plus proche de Barbie. Mais enfin, moi, je l'adore. Franchement, je ne regrette pas de l'avoir déjà trouvée et achetée. Je l'adore. Et bien entendu, Longchamp pliage. J'ai cette pochette dans un rose néon. D'ailleurs, ils avaient appelé cette collection-là. Pour ceux qui se rappellent, ils avaient sorti ce rose, un violet, un vert, et ça s'appelait néon, les couleurs néon. Et enfin moi, celle-ci, je l'utilise toujours énormément. J'adore cette taille parce que a existé des plus grandes. Mais moi, je trouve que cette taille-là, elle était vraiment parfaite. J'aimerais bien que Longchamp les reproduise aussi. Et surtout, des couleurs comme ça, c'était juste génial. J'ai aussi des accessoires. Par exemple, ce miroir, toujours dans la gamme Foulonné Longchamp. Là aussi, Longchamp, si vous pouvez reproduire les miroirs, ça serait génial. C'est le même rose que ce que je vous ai montré, hein, les deux pochettes précédentes. Le miroir, il est top. J'aime beaucoup m'en servir lors de déplacements, de voyages. Parce que voilà, vous pouvez le faire comme ça. Et vous pouvez vous maquiller. Enfin, non, non, vraiment, c'est très, très pratique. C'est génial. C'est le miroir de Barbie. Et il y a aussi Hermès. J'ai ce clic H dans la couleur bois de rose. Alors, vous allez peut-être le voir avec la lumière lila, mais je peux vous assurer, c'est pas lila parce que j'ai aussi un clic-clac lila. C'est une autre couleur. Non, non, c'est vraiment un bois de rose. C'est un rose un peu ancien, antique. Je pense que Barbie aimerait ce rose, honnêtement. D'ailleurs, dites-moi en commentaire parce que j'en ai pas mal. J'ai aussi des petits bracelets en cuir. Si vous voulez une revue de voilà, de mes petits bijoux Hermès, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Et j'ai aussi celui-ci. Alors, il me semble que c'est rose confetti, hein, celui-ci. C'est le modèle Be Happy. Et derrière, parce que les Be Happy, il y a toujours deux couleurs. Là, vous voyez, c'est rouge et c'est rouge de cœur. Voilà, c'est vraiment, j'aimais bien le combo. Et ça, c'est doré. Or, voilà, ça c'est doré or aussi parce que ils font aussi des versions argent, des versions or rose. Mais voilà, moi j'aime bien quand c'est doré or et encore plus quand c'est argent. On continue dans les pliages, mon sac à dos. Alors lui, voilà, c'est un pliage club. Malheureusement, cette ligne ne se fait plus. C'est bien dommage parce que moi j'aimais bien le coup du petit cheval brodé d'une couleur différente. Pareil, le bouton pression. Et ils avaient sorti ce rose qui est juste... il est chou. Franchement, il est chou. Alors, on peut pas faire plus girly. Moi, des fois, j'aime bien. Voilà, j'ai comme mon sac Paul Marius. Des fois, je trouve ça sympa d'avoir des couleurs un peu comme ça, des couleurs très fifilles. Et lui, voilà, il est juste top. Pour ceux qui ne connaissent pas les sacs à dos pliage,
Ben, je les recommande aussi. Alors, c'est vrai que je n'en ai qu'un dans ma collection parce que j'ai aussi un foulonnet et les sacs à dos, voilà, je les utilise voilà, quand je pars faire des randonnées ou quand je fais des visites scolaires. Mais voilà, si vous êtes bien sac à dos, essayez-en un. C'est léger, pratique. Vous pouvez les plier, donc c'est, vous pouvez les mettre dans la valise. Enfin, c'est vraiment trop bien. Ils ont une capacité de dingue. L'ouverture, elle est plutôt sécurisée. Vous avez le zip, vous avez ça, le rabat pour fermer en plus avec le bouton pression. Donc non, ils sont plutôt bien faits. Il y a une poche à l'intérieur. Voilà, alors c'est vrai que maintenant, ben, ils coûtent un peu plus. Hein, mais voilà, pendant la période des soldes, évidemment, ils soldent en général les couleurs les plus flashy. Mais on ne sait pas. Si vous voulez vous faire un petit délire, vous pouvez voilà, en prendre un pendant les soldes. Vous le payerez un petit peu moins cher parce que je crois que maintenant on est autour des 100 €. Hein. Je pense qu'on est autour des 100 €. Et évidemment, je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous montrer eh ben, la couleur Candy de chez Longchamp, la ligne foulonnée. Non, franchement, moi je trouve que c'est le plus joli rose. Vous voyez, j'en ai plusieurs de chez Longchamp. C'est Candy qui remporte la palme. Voilà, on est dans le Barbie. Ben oui, on est justement dans le Barbie des années 80-90. Vous savez quand elle avait ce rouge à lèvres bien beau, bien rose. Oui, ben elle l'a justement, elle l'a. Non, vraiment, moi je suis fan. C'est une très très belle couleur. C'est gai, ça se voit bien dans le sac. Voilà, d'ailleurs je vais vous montrer, voilà, pour comparer les roses, dites-moi en commentaire, vous, la teinte de rose que vous préférez. Voilà, donc on a le rose un peu fort, le rose poudré, le rose pastel de chez Bim by Lola et donc la couleur Candy de chez Longchamp. Vous voyez, c'est bien différent, mais moi c'est celle-ci qui remporte la palme. Je les aime, ça l'a bien entendu, mais celle-ci, pour l'instant c'est la mieux, c'est franchement la mieux. Voilà les amis, c'était une vidéo un petit peu humoristique parce que des fois on peut, ben justement, ça fait du bien d'être un peu léger. Hein Barbie ? Oui, ça fait du bien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à donner un petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous aimez les sacs. Ben vous êtes à la bonne place. Quoi dire de plus ? Restez connectés. C'est vrai qu'il y a un objet que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, mais ça sera pour la vidéo future, donc activez la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. On leur dit au revoir Barbie. Oui, on leur dit au revoir, à bientôt. Oui, par contre, en ventriloquie, je suis nulle, on est bien d'accord. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Bye bye tout le monde.